Et voilà, c'est commencé. Merci. Donc, aujourd'hui, on va avoir une discussion avec vous. Donc, on aimerait ça vous voir, on aimerait ça vous entendre. C'est vraiment une discussion. N'hésitez pas à nous Si c'est possible. interrompre si vous avez une question. Vous pouvez directement juste enlever le mute, puis nous parler, demander les questions que vous sentez. Vous avez besoin que nous répondons. Donc, aujourd'hui, on va préparer une recette. C'est une recette qui va nous permettre d'utiliser tous les restants qui sont dans notre frigo. C'est une recette que moi, personnellement, on utilise beaucoup dans ma famille. Puis, c'est jamais la même. Chaque fois, on ajoute un ingrédient de plus, on ajoute des saveurs de plus. Puis, chaque fois, on aura un repas un peu différent, mais toujours en utilisant ce qui est dans notre frigo, puis pour maximiser et ne pas jeter nos aliments. Maintenant, je vais vous présenter cette recette. On est en train de partager l'écran, et voilà. Donc, comme vous voyez, c'est le mélange de légumes divers au four. Vous pouvez mettre les légumes que vous aimez. Je vais présenter maintenant les ingrédients. Donc, vous pouvez voir, c'est avec des courgettes. Parfois, on peut ajouter des aubergines. On va utiliser les oignons, l'ail, le poivre. Le paprika pour avoir plus des épices, mais vous êtes libre à le personnaliser et à ajouter les goûts que vous préférez. Nous, on a préféré aujourd'hui de vous montrer un exemple. Normalement, vous recevez cela dans votre boîte alimentaire. Ici, on a des poivrons jaunes et rouges et oranges. Ici, on a des brocolis. C'est des aliments qu'on reçoit, qu'on prépare pour vous, qui sont congelés. Donc, normalement, on est juste ici pour vous donner des idées de comment les bien utiliser. Cette recette est un vraiment bon exemple. Donc, qu'est-ce que vous recevez, vous êtes capable d'utiliser. En plus de brocolis et des poivrons, vous pouvez ajouter les pommes de terre. Vous pouvez ajouter des carottes, des maïs. Il est même possible d'ajouter des champignons de pommes car ça va ajouter un peu de goût acide. Et on peut ajouter du céleri. Aujourd'hui, on va utiliser de la viande hachée, mais vous êtes libre aussi d'ajouter du poulet, du tofu ou des cubes de viande si vous préférez. Moi, personnellement, quand je prépare chez moi, ce sera toujours les restes de viande ou de protéines d'une autre journée que j'ajoute juste avec les légumes. Puis voilà, on a un repas. Donc, on va commencer maintenant par préchauffer le four à 350. Puis nous, on a déjà préparé à couper tous les légumes. Ceci a pris 10 minutes. Mais avec les astuces qu'on va présenter plus tard, ça peut être le temps total de la préparation de cette recette peut même pas dépasser 15 minutes. Je vous laisse maintenant avec Payao qui va nous présenter l'assiette équilibrée puis l'alimentation santé. Le temps que je vais cuire maintenant la viande avec les Mais oignons. avant, est-ce qu'on veut dire qu'on va prendre les légumes, qui sont les légumes que vous recevez congelés, que c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec parce qu'ils sont mélangés, comment on les cuisine ensemble, est-ce qu'on les sépare? Alors, c'est pour ça qu'on a choisi cette recette-là. Mais là, on voit qu'il y a des morceaux qui sont un petit peu gros. Alors, on va juste les couper avant de faire revenir la viande. Puis après ça, on va aller faire revenir notre viande avec juste un petit peu d'oignon. C'est ça. Maintenant, ce que Eugénie et Karine vont faire, c'est d'ajouter l'huile dans une poêle.
et de faire cuire la viande hachée ici. Et ensuite, ils vont ajouter des oignons et l'ail. Fait que ce que je vais vous présenter, c'est l'assiette équilibrée. Fait que est-ce que une d'entre vous peut me dire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette assiette-là? Vous pouvez ouvrir vos micros pour parler, si vous voulez. OK. Sinon, c'est pas grave parce que ça, c'est l'assiette équilibrée de la Guide alimentaire canadienne. On sait que la Guide alimentaire canadienne, ça, c'est la nouvelle version. On a une ancienne version qui est plus complexe. Fait que celle-là, ils l'ont modifiée pour que ça soit plus facile à comprendre. Fait que ça, c'est de façon idéale, c'est qu'on a une assiette, que la moitié de l'assiette pour les trois repas, c'est le même principe. La moitié de l'assiette en fruits et légumes et un quart en... en viande. Attendez, je vais juste admettre quelqu'un. Je pense qu'il y a d'autres qui ont dit. Oui, c'est ça. OK, vous avez vu avec l'école? OK, fait que c'est ça. La moitié de l'assiette en fruits et légumes et un quart avec tous les aliments en protéines. Et l'autre corps avec les féculents. On va parler de chaque groupe plus tard. Fait que on va parler de fruits et légumes en premier. Fait que les fruits et légumes, on sait qu'ils sont bons pour la santé. C'est pour ça que la majorité de nos assiettes, ça constitue des fruits et légumes. Et il faut en glisser un mot aussi, c'est que cette modèle de guide alimentaire, c'est juste c'est juste là pour nous guider. Fait que si on a ça, on sait qu'on a une assiette équilibrée, on a une alimentation équilibrée. Mais on s'entend que même nous, on étudie en nutrition, mais c'est notre assiette ne ressemble pas à ça à 100% du temps. Mais juste avoir une idée des trois catégories, de les avoir à chaque repas, c'est le guide pour qu'on s'aligne vers une assiette équilibrée, mais dans le fond, on fait de notre mieux pour avoir les trois catégories. Fait qu'on revient aux fruits et légumes. Donc, les fruits et légumes contiennent beaucoup de fibres. Qu'est-ce que ça fait les fibres chez nous? Fait que si on prend des fibres, on mange des fibres et... dans notre intestin, ce que ça fait, c'est comme une éponge. Une éponge va absorber l'eau, puis aussi, ça va mieux nettoyer notre intestin, puis ça va faire en sorte que notre intestin va bouger mieux, fait qu'on a une meilleure élimination des déchets. Puis aussi, comme j'ai dit tantôt, les fibres, ça prend de l'espace. Fait que ce que ça fait, c'est que au niveau de l'estomac, ça va prendre de la place. Fait que inconsciemment, ça va nous remplir plus avec une plus faible quantité. Fait que dans le fond, c'est qu'on en mange moins en quantité, moins en calories, puis ça va éventuellement avoir un impact sur notre poids. Puis aussi, pour les catégories de protéines, est-ce que vous avez une idée, c'est quoi les aliments qui entrent dans cette catégorie-là? Vous pouvez me l'écrire dans le chat si vous voulez. Dans la catégorie protéines, on a les aliments comme les viandes, toutes les volailles comme du poulet, des canards. Puis aussi, on a le poisson, le tofu. Puis aussi, on a des légumineuses comme des lentilles, des feuilles, des pois chiches, des haricots, les noix et les produits laitiers comme les yogourts, du lait et les fromages. Fait que pour les aliments protéinés, on a des meilleurs choix que d'autres.
Fait que parmi les meilleurs choix, c'est plutôt on va privilégier les protéines végétales. Comme je disais tantôt, c'est le même effet que les fibres dans les fruits et légumes, parce que les fibres sont seulement dans les végétaux. Fait que on va préférer de choisir les protéines végétales, comme j'ai dit tantôt, les lentilles, les haricots. Puis aussi, les poissons et le poulet, c'est aussi des bons choix. Et aussi les produits laitiers. Les produits laitiers, ça nous donne beaucoup de calcium. Donc, on sait que le calcium, quand je ne sais pas si certains d'entre vous prenez des suppléments de calcium, c'est bon pour nos os. Parce qu'on sait qu'en vieillissement, avec l'âge, on a des os qui sont plus fragiles. Fait que en prenant des produits laitiers, mais ça va rendre nos os qui est plus fort. Mais ce qu'on veut, ce qu'on aime manger le moins, c'est les viandes rouges et les charcuteries, c'est-à-dire les viandes qui sont transformées, comme les saucisses, du bacon, la viande fumée, etc. Ça, on préfère de ne pas choisir ceux-là, on préfère de choisir ceux que j'ai nommés tantôt. Puis aussi, la dernière catégorie, c'est les féculents. Fait que les féculents, qu'est-ce qui entre dans cette catégorie-là? C'est du riz, c'est du pain, des pâtes, des céréales et les patates. Donc, comment on va choisir pour avoir, tu sais, toujours on parle de fibres, pour avoir plus de fibres, c'est que si, exemple, vous prenez du pain, vous pouvez regarder sur l'emballage, ça va être écrit comme grain entier, pain grain entier ou pain multigrain. Ça veut dire que c'est grain entier, ça contient beaucoup de fibres et c'est des protéines. Fait que si on prend, par exemple, du riz brun, c'est beaucoup de... c'est un grain entier parce qu'on sait que le riz blanc, c'est ce qui est à l'intérieur. Puis du riz brun, c'est que... le riz blanc, c'est que c'est du riz brun qui ont enlevé la couverture, ce qu'on appelle le son. Fait que c'est le son, la couverture, qu'on a beaucoup de fibres et des vitamines. Puis aussi, si, exemple, je prends un muffin qu'on a cuisiné avec de la farine blanche. Si je dis que la farine blanche, ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas grain entier. Et aussi, on va parler du gras. Fait que si on sait qu'il y a des gras de meilleure qualité, meilleurs pour notre santé, et des gras qui sont moins bons pour notre santé, fait que un truc qui est facile pour savoir si l'huile, mais le gras qu'on utilise, c'est bon ou pas, c'est de regarder si sa forme en température pièce. Si sa forme à température pièce est liquide, comme l'huile de canola, l'huile d'olive, ça, c'est des gras qui sont meilleurs pour notre santé, fait qu'on va les privilégier de les utiliser. Fait que s'il est solide à la température pièce, comme du beurre, la margarine, fait que ceux-là, c'est des gras qui sont moins bons, fait que c'est notre point, moins de notre priorité. Est-ce que la viande est prête? Oui. OK, la viande est prête. Alors, la viande est prête. Je vais juste vous montrer avant, ça ressemble à quoi. Attends. Donc, c'est ça, c'est l'oignon avec l'ail avec la viande. Maintenant, je vais pouvoir... Mais tu as aussi ajouté sel et poivre. Bien sûr, avec tous les épices qu'on veut. Puis après, on va ajouter les légumes. On va les revenir pour 5 minutes. On va les faire revenir avec la viande. On va aussi ajouter tout le reste des ingrédients. Donc, si vous voulez la pâte de tomate, si vous voulez aussi... Nous, on est en train d'utiliser... On est en train d'utiliser des tomates en cubes qui sont en conserve. Donc, c'est aussi une bonne façon pour utiliser ce qu'on reçoit du relais. Oui. Alors,
on va pouvoir vous montrer. C'est ça, je vais connecter sur Zoom à partir de mon cellulaire, puis vous pouvez nous suivre. Mais sinon, je vais bouger mon ordi. Je vais bouger, on va aller. On va venir ici à côté du poêle. Puis, on va pouvoir vous montrer comment on fait revenir les légumes. Voilà, on va allumer. C'était allumé avant, mais on va le faire un peu plus doux. On va ajouter tous les légumes. Alors, c'est ça, là, on a vraiment de tout. On a mis une aubergine, on a mis des pommes de terre, on a mis des carottes, des poivrons. Puis, on a utilisé aussi des sacs de légumes congelés dans notre programme anti-gaspillage, qui sont des légumes qui ne vont pas jusqu'à la distribution. Au lieu de les jeter, on les met dans des sacs en plastique. Alors, on a pris ces sacs en plastique-là pour montrer qu'ils peuvent vraiment être utilisés de toutes sortes de façons. Fait qu'on va juste les faire revenir un petit peu en premier pour que ce soit moins long dans le four. Si vous n'êtes pas pressé, à la limite, cette étape-là pourrait même être sautée puis aller directement dans le four, mettre directement les légumes dans le four. Oui, exactement. Donc, c'est ça, vous pouvez, si vous êtes pressé, vous pouvez juste le mettre dans le four. Mais ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est de temps où est-ce qu'on n'est pas en train de travailler. Donc, c'est aussi un bonus. Est-ce que vous êtes capable d'ouvrir vos micros? Je ne sais pas. Alors, ça sent bien. On peut voir de quoi ça a l'air en ce moment. Ça, c'est vraiment coloré. Puis ça peut être fait dans n'importe quoi, dans une grosse poêle, dans une casserole. Après le revenu, j'ai une question. On a une question. Combien de temps ça peut durer une légume qui est congelée? Pour les légumes qui sont congelés, combien de temps ça va prendre? Pour les faire revenir au combien début? Combien de temps je peux garder congeler les légumes dans le congélateur? Dans le congélateur? On va en parler un petit peu pendant que c'est dans le four de la gestion des aliments dans le congélateur. Mais un bon six mois à un an sans problème. Même après cette durée-là, ça ne va pas que ça va devenir dangereux. Le plus gros risque, c'est qu'ils deviennent plus intéressants, qu'il y ait beaucoup de petits flocons de glace qui se développent, puis là, qu'ils deviennent plus trop bons ou qu'ils perdent leur eau, puis qu'ils se déshydratent. Fait que c'est pour ça qu'on veut les utiliser relativement rapidement, là, dans la première année. Mais ils vont rester sécuritaires assez longtemps. OK. Alors, on va être prêt pour la prochaine étape. On va retourner à notre table de travail. Et on va amener une plaque qui est ici sur la table. Là, ça montre à quel point c'est facile. C'est juste question de tout transvider sur la plaque qui va aller au four. Alors, nous, dans notre cas, quand on a fait revenir la viande, on a acheté un peu de sel, de poivre, de piment de chili comme ça, mais évidemment, c'est n'importe quelle épice qui peut faire l'affaire. Là, il n'y a pas,
Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Là. C'est vraiment selon vos goûts. Ça peut changer selon le type de légumes qu'on utilise. Si on utilise du tofu, on peut ajouter toutes sortes de choses. On peut faire revenir le tofu un peu comme du bœuf haché, puis ajouter de la sauce soya ou de la sauce Worcestershire, que je suis pas capable de prononcer. Mais c'est ça, mais tout ce qu'on a mis, je pense qu'on l'a écrit dans la recette que vous pouvez trouver sur le site Facebook. Donc, oui, maintenant, juste avant de mettre dans le plat, on va ajouter la sauce. C'est ça, il fallait que je choisisse une poêle un peu plus grande. Vous, si, vous êtes aussi capable de faire la cuisson, le revenir exactement, directement sur une plaque, si c'est en métal. Puis si vous avez le four, la cuisinière adéquate. Je vais faire le transfert de tout. C'est ça, on est juste en train de bien mélanger le tout. Peux-tu que je prenne? Oui. Génial! Trop facile. OK, puis ça va aller au four pour à peu près 20 à 30 minutes. On revient plus tard. Exactement. Alors, justement, pendant ce temps-là, moi, je vais en profiter pour vous parler d'organisation du frigo puis du congélateur. Parce que, dans le fond, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour optimiser l'utilisation de notre réfrigérateur. Ça a l'air de rien, tu sais, c'est un cube. On pense que tout à l'intérieur est pareil, puis qu'on peut un peu tout mettre où est-ce qu'on veut, puis c'est vrai. Mais en même temps, il y a juste quelques petits trucs qu'on peut mettre en pratique dans notre vie de tous les jours qui permettent de vraiment augmenter la durée de vie de plusieurs de nos aliments. Fait que, rapidement, je vais partager mon écran. Pendant qu'on règle le partage d'écran pour que je puisse vous partager mon image de frigo. Alors, c'est ça. Selon où est-ce qu'on met nos aliments dans le réfrigérateur, il y a des endroits qui sont beaucoup plus froids puis beaucoup plus chauds que d'autres. C'est vraiment pas créé égal. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la partie la plus chaude du réfrigérateur? Si tu as des essais, vous pouvez l'écrire dans le chat si vous le savez. Bien, dans le fond, c'est la porte. Parce qu'évidemment, on l'ouvre, on la ferme, on l'ouvre, on la ferme. C'est l'endroit la plus chaude. Puis il peut y avoir une différence de jusqu'à 5 degrés en l'endroit le plus chaud, l'endroit le plus froid. Fait que si l'endroit le plus froid il est à peu près 3 ou 4 degrés Celsius, la porte peut aller jusqu'à 7 à 9 degrés Celsius. Fait que c'est vraiment une grosse différence. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment pas la façon optimale de garder son lait ou des produits comme ça qui sont très périssables. C'est vraiment pas dans la porte. Dans la porte, on va préférer des produits qui sont pas très qui sont pas très difficiles à garder. Fait que, par exemple, de la confiture ou des condiments comme de la moutarde, du ketchup, des sauces chaudes. On voit des images ici, on voit du jus. Le jus, c'est un bon exemple parce qu'il y a deux sortes de jus. Il y a jus comme le jus Oasis qu'on achète qui est pasteurisé. Ça veut dire qu'ils l'ont chauffé très, 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 très chaud pour tuer la majorité des bactéries méchantes qui sont à l'intérieur. Fait que celui-là, il est beaucoup moins dangereux et il peut facilement rester dans le frigo. Alors, c'est ça. Alors, tout ce qui n'est pas très dangereux, pas très périssable,
comme les confitures, comme la moutarde, comme le jus qui a été pasteurisé. Tout ça, ça va très bien dans le frigo. Ça ne va pas être endommagé très rapidement. Puis même si on garde la porte du réfrigérateur ouverte quelques minutes pendant qu'on vide notre épicerie, c'est pas trop grave. Après ça, l'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que la chaleur, ça monte. T'sais, évidemment, quand il fait chaud en été, on n'est pas content quand notre chambre est au plus haut, à l'étage le plus haut. Ça monte vraiment. C'est la même chose pour les aliments. Les aliments qui sont tout en haut, ils ne sont pas très contents parce qu'il fait chaud. Là. Il peut vraiment avoir une grosse différence de température entre le bas et le haut du frigo. Surtout des frigos un peu plus vieux. Fait que c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus avoir les aliments les plus périssables tout en haut. On veut plutôt des aliments qui vont bien rester. Fait qu'encore une fois, on peut avoir des aliments qui sont scellés, qui sont salés ou qui sont séchés, comme des poissons marinés, des cornichons marinés, des navets marinés, tout ce qui est mariné, tout ce qui est salé. Ça se conserve très bien en haut. Puis on peut aussi avoir les fromages, des yogourts. Ça non plus, c'est pas, je veux dire, c'est plus périssable que de la confiture, mais c'est pas si périssable que ça. Fait que ça se conserve aussi bien en haut, comme les charcuteries qui sont aussi séchées puis salées. Alors, elles se conservent très bien en haut quand même. Même si pour le fromage puis la charcuterie, des fois, il y a un tiroir. Fait que ça peut aller aussi dans un petit tiroir. Des fois, il y a un petit tiroir qui est dans les frigos, que c'est pour les charcuteries puis les fromages. Fait que ça, c'est encore mieux quand c'est le cas. Mais sinon, ils peuvent aller en haut sans problème. Puis même dans certains cas, s'il nous reste de la place, on pourrait même mettre des fruits et légumes. D'habitude, c'est pas l'endroit qu'on va privilégier, mais ça se fait très bien sans problème. Après ça, vu encore une fois qu'on ouvre la porte du frigo quand on veut voir quelque chose, il y a aussi une grosse différence de température entre l'avant du frigo et l'arrière du frigo. Fait qu'encore une fois, quand on a des restants de nourriture, comme un bon restant qu'on veut vraiment garder parce que c'est super bon, ben on est mieux de le mettre dans le fond du frigo parce qu'il va rester beaucoup mieux dans le fond du frigo. Puis c'est là qu'il va être gardé de façon optimale dans le fond. Puis en avant, on peut, sur les étagères du milieu, mettons, en avant de l'étagère, on met les choses qui se conservent le mieux. Puis en arrière, ben c'est là qu'on va mettre nos restants qui se gardent pas si longtemps, hein, en 2-3 jours, les restants. Puis déjà, c'est le temps de les jeter. Alors, c'est pour ça qu'on veut leur donner une chance puis les mettre bien, bien, bien au froid. Puis c'est ça, ça nous amène à l'étage la plus froide, qui est les étagères du dessous. Fait que vu que c'est les plus froids, on priorise ce qui est vraiment dangereux, ce qui périt vraiment rapidement. Fait que c'est quoi qui périt vraiment rapidement? C'est les œufs, c'est la viande crue. Tout ça, là, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus fragile, fait qu'on les met à l'étagère d'en bas, comme on voit sur l'image. Puis aussi, j'ai mis du beurre. Le beurre, on va le garder dans le frigo idéalement. Je sais qu'il y a la petite place pour le beurre parfait dans la porte. Puis c'est correct, puis c'est gras, fait que c'est pas la fin du monde si on le met dans la porte, mais idéalement, on veut l'avoir dans le frigo pour lui donner la plus grande chance de survivre à long terme. Puis finalement, c'est les fruits et légumes qu'on n'a pas mis. Puis la plupart du temps, les fruits et légumes, on va avoir 2 grands tiroirs en bas. Puis ça, c'est vraiment parfait pour les garder. Ils aiment vraiment ça être là. C'est leur endroit vraiment le plus optimal. On peut même les séparer entre fruits et légumes. Les plus durs au fond, puis évidemment les plus délicats sur le dessus, puis on s'assure d'avoir un bon roulement. Fait que ça fait à peu près le tour sur l'organisation du réfrigérateur. Puis si vous n'avez pas de questions, maintenant, je parlerai de l'organisation du congélateur. Alors, on peut arrêter le partage d'écran. Merci, parce que je veux vous parler. Alors, en ce qui concerne le partage du congélateur, dans le fond, ce qui arrive, quand on met un aliment dans le congélateur,
on n'est pas en train de complètement arrêter tout ce qui peut lui arriver puis tout ce qui peut le dégrader. Hein. Il n'est pas complètement sur pause. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend les mauvaises bactéries puis les mauvais virus puis tout ça qui est à l'intérieur puis on leur dit, va te coucher. Fait quand il va se coucher, ça veut dire que si on met une viande qui a une journée de la date d'expiration, puis on la met au congélateur, ça veut dire que quand on la ressort, on a juste une journée pour la manger. Fait qu'il faut vraiment garder ça en tête. On n'est pas en train de remettre à zéro. On n'est pas en train de tout arrêter les dangers. On est juste en train de faire endormir ce qui est dangereux, les micro-organismes qui sont dangereux. Mais c'est pas juste les bactéries qui détruisent les aliments. Il y a d'autres choses aussi qui détruisent les aliments. Puis, il y a plein de choses qui peuvent les détruire. On peut détruire la texture, le goût, l'odeur. Tout ça, ça peut très bien se détruire au congélateur. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour éviter que tout ça, ça arrive. Éviter qu'il y ait le petit givre dessus qui ruine. Désolée. Si on veut éviter ça, si on veut optimiser la vie des aliments qui vont au congélateur, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que l'aliment qu'on met au congélateur, il congèle le plus rapidement possible. Parce que la pire partie pour détruire sa texture, pour détruire son goût, pour qu'il y ait plein de givre, c'est le moment entre l'aliment, il est température pièce ou température frigo, puis le moment où est-ce qu'il est température congélateur. Plus cette durée de temps entre les deux moments est longue, plus ton aliment, il se dégrade. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe le plus rapidement possible? Bien, premièrement, on peut le congeler en petits morceaux. Au lieu d'avoir un gros truc de sauce à spag, on peut en avoir comme plusieurs petits morceaux. Ça va beaucoup aider. On peut les placer, les aliments qu'on vient de mettre au congélateur, dans les endroits les plus frais. Fait que les endroits les plus frais, c'est dans le fond en arrière, puis sur les côtés, vraiment proche des murs. Puis l'autre chose avec le congélateur, c'est que quand il est vide, il est plus chaud. Dans le fond, les autres aliments, les autres aliments qui sont vraiment congés, ils vont dégager de la fraîcheur. Fait que si on veut que notre congélateur soit le plus frais possible, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de s'assurer qu'il soit rempli à peu près aux trois quarts. Que les aliments qui sont autour, bien, ils vont dégager de la fraîcheur. Puis je comprends qu'on n'a pas toujours autant de nourriture pour qu'il soit rempli aux trois quarts, mais on peut juste remplir des contenants d'eau. Puis ça aussi, ça va dégager de la fraîcheur. Ça va faire en sorte que les aliments autour, ils restent vraiment, vraiment froids. Ça va faire en sorte que ton aliment, il va rester bon le plus longtemps possible. La dernière chose qu'on veut vraiment se souvenir quand on met un aliment au congélateur, c'est de le dater. Parce que le premier qui arrive, ça devrait être le premier sorti pour s'assurer qu'il y ait un bon roulement. Puis justement, qu'on ne garde pas des aliments super longtemps. Puis après, qu'on les décongèle et que ce soit vraiment décevant quand on les décongèle. Fait que je pense que ça fait à peu près le tour. Maintenant, Karine, elle va vous parler un petit peu de la planification de repas. Oui, bonjour. Alors, maintenant, on va un peu parler de la planification de repas et l'importance de cuire chez nous. Si vous pouvez, avez-vous pensé une fois, OK, ben, pourquoi je suis en train d'acheter 200-300 $ par semaine, disons, pour des aliments, pour des fruits et légumes? Si je peux aller acheter un repas pour 5 $ chez McDo. Mais comme, pourquoi je fais ça si je peux avoir ça à un prix plus faible? Mais non, actually, on a fait une comparaison, puis on a trouvé que si on achète plus des aliments de resto, on dépense plus. C'est même une économie de 9 000 $ par année. Donc, c'est quand même un bon montant. Si vous pouvez voir, pour les aliments cuisinés, ça veut dire qu'on prépare chez nous, ben, un repas peut nous coûter 7,50 $. Une journée peut nous coûter 7,50 $.
Mais si on fait le calcul d'une journée avec des aliments au resto, le resto peut être comme McDo, ben, ça peut prendre 32,74 $. Donc, quand même une grosse différence. Donc, oui, vous allez dire maintenant que mais on n'a pas le temps. Puis, oui, tout à fait. Les aliments prêts à manger et les aliments qui sont d'acheter des restos, ça facilite beaucoup notre vie. Mais si on est en train de planifier en avance, d'aller à l'épicerie juste une fois par semaine au lieu de chaque jour, ben, on est capable d'économiser le temps puis d'avoir plus dans un moins de temps. Donc, Donc, par exemple, comment on va préparer notre aliment en avance, on peut partir juste avec une liste d'épiceries. On va respecter cette liste, on ne va pas acheter plus. Comme ça, on garantit de toujours avoir des bons aliments. Je m'excuse, je vais juste redémarrer le partage. Donc, je vais vous donner maintenant une astuce comment bien préparer et comment bien planifier un de vos repas. On peut faire un tableau de même. Donc, on va écrire les types de protéines. Ici, on a 7. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cet repas. Il est toujours possible de juste cuire 3 ou 4 repas, puis les manger plusieurs fois. Comme ça, on cuit moins, mais en grande quantité, on économise un peu plus de temps. Donc, voilà les types de repas. On avait dit, ça peut être de la viande, poulet, poisson, des légumineuses, ce qu'on reçoit dans les conserves, le tofu, les œufs. Puis après, on va ajouter, c'est quoi le type exact de la protéine? Donc, moi, je veux de la viande, mais par exemple, est-ce que je veux plus le steak ou je veux de bœuf haché? Disons que je vais prendre le bœuf haché, j'y vais à l'étape suivante, puis ça sera de choisir la recette. Au début, oui, c'est un peu difficile de toujours avoir une recette en tête. Mais avec le temps, puis vous pouvez toujours trouver plus de recettes en ligne, des recettes familières, les adapter pour cuisiner des aliments que vous préférez puis que vous aimez. Donc, oui, vous découragez pas. Ça va être un peu difficile au début, mais à la fin, ça va faciliter beaucoup notre vie. Donc, après qu'on a choisi la recette, si la recette a déjà des légumes dedans, ben, pas besoin d'ajouter plus. Par exemple, si on a de poulet barbecue aux légumes et des légumes au four, c'est déjà inclus. Pas besoin que j'ajoute un peu plus de légumes ou de féculents, de riz. Mais je suis toujours capable si je veux. Donc, ou si j'ai des croquettes de saumon, le saumon, c'est juste une protéine. Je n'ai pas d'accompagnement. Je suis capable maintenant d'ajouter la salade croquant du chef, par exemple. Je peux préparer plusieurs salades, des petits morceaux de salade, des petits morceaux de féculents, puis les utiliser à la fois. Donc maintenant, si on va dire, si on veut... Disons qu'on veut préparer maintenant en avance. Pas besoin de toujours faire 7 jours. Vous pouvez le faire,
mais on peut faire des étapes faciles. Donc, on peut préparer les accompagnements, on peut préparer les féculents, si c'est des patates, on peut tout couper, on peut le garder dans le congélateur. Même chose pour les légumes, si vous préférez les avoir frais, on les coupe et on les conserve plus longtemps, comme ça, sans auprès de main. Donc, on va juste cuire le plat principal, la protéine, puis on ajoute l'accompagnement, tout sera déjà prêt. Et la préparation d'un repas ne va pas prendre plus de 5 minutes. Maintenant, oui, la préparation de ces accompagnements, de ces légumes, va prendre un peu plus de temps. Mais essayez de rendre ça un peu amusant. Donc, regardez votre série en même temps, votre série préférée. Dansez, écoutez de la musique. Vous pouvez même le rendre une soirée familiale où est-ce que vous allez tout cuisiner. Votre enfant peut couper les patates ou votre conjoint peut faire la vaisselle. Comme ça, tout le monde est toujours en train de faire quelque chose, puis on s'amuse. Sinon, est-ce que vous avez des questions pour nous? Ou des partages? Est-ce que vous avez des anecdotes? Est-ce que vous avez des techniques de préparation de repas? Est-ce que vous avez des recettes préférées? Oui, question. Oui. Oui, Geneviève. Vous pouvez ouvrir votre micro ou la poser dans le chat. On vous entend. Il faudrait juste ouvrir votre micro en premier. Allumer la voix, je pense. Non, on n'entend pas. Oh, là. J'ai pas de micro. Okay, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat votre question? Oui, c'est ça. On va le lire. Congélation. Comment emballer les aliments? Très bonne question. Ça, c'est une très bonne question parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'il y ait de l'air. Parce que l'air, c'est l'ennemi numéro un de la congélation. C'est ça qui va faire en sorte qu'il y ait des cristaux. C'est ça qui va dégrader la texture en premier. Fait, ce qu'on veut, 100%, c'est pas d'air. On veut idéalement quelque chose comme un sac de congélation, comme des gros sacs de plug de congélation, ça, c'est bon. Sinon, les contenants comme type Tupperware, mais pas nécessairement Tupperware, mais comme les contenants en plastique sont hermétiques, il ne va pas avoir de changement d'air. Sinon, on peut les emballer dans des sacs, mais ce qu'on veut s'assurer, c'est que premièrement, on retire tout l'air qu'on est capable, puis après ça, qu'il n'y ait pas d'échange d'air. C'est que comme vraiment, si on fait un sac, on s'assure que le nœud est très, très, très bien serré, qu'il n'y ait pas de trous, qui est en bon état. Puis c'est surtout ça. Puis est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Si vous permettez d'ajouter, on peut aussi congeler des aliments cuits que des frais. Donc, si vous voulez préparer quelque chose qui vont avoir quand même une bonne texture après qu'on les décongèle. Comme j'avais donné l'exemple des pommes de terre, on est capable de même les cuire comme à moitié, puis après, ça sera prêt à utiliser dans quelques minutes. Même chose, un autre bon exemple, c'est des brocolis. On peut préparer des brocolis en vrac. On va juste utiliser une plaque comme celle que je viens d'utiliser pour la recette. On va les cuire en avance, puis on congèle en petites portions. On utilise les petits sacs Ziploc dans chacun. Puis comme ça, on ajoute... On prend juste un sac, on le cuit au micro-ondes juste pour le réchauffer, puis on l'ajoute à notre repas. C'est une bonne façon pour ajouter plus de légumes, plus de fruits à notre alimentation de chaque jour. Est-ce que tu as quelque chose de plus à ajouter? Non, c'est pas mal complet. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci, ça m'avait plaisir. Ça fait plaisir, oui. J'espère que c'était clair. Ouais. Mais sinon, je pense que notre recette est prête. Est-ce qu'on peut la sortir? Est-ce qu'on peut écouter? Oui, bien sûr. À moins qu'il y ait d'autres choses à ajouter. Je pense que c'est pas mal ça. Mais pour de vrai, si vous avez d'autres questions, puis pas nécessairement par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui, on est des étudiantes en troisième année en nutrition. On a quand même pas mal d'expérience, et ça nous fait vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions par rapport à l'anti-gaspillage, par rapport à l'alimentation en général, par rapport à ce que vous avez fait hier pour ça nous fait vraiment plaisir. Puis, si vous avez d'autres questions par rapport à l'anti-gaspillage, dans le fond, c'est juste ce premier atelier d'une série d'ateliers qui va être fait par le relais communautaire. Il va y avoir au moins 7 autres ateliers, dont le prochain jeudi à 8h, à 1h30, avec Christina, cette fois-ci, qui va aussi cuisiner pour vous. Mais on va aussi être là, mais après ça, il va y avoir toutes sortes de personnes qui vont venir animer d'autres ateliers sur l'anti-gaspillage. Au cours des prochaines semaines. Mais si il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on traite, que vous avez des questions autour desquelles il pourrait avoir un atelier complet, bien, c'est sûr qu'on aimerait le savoir. Mais si vous voulez partager, si vous voulez animer vous-même un atelier, c'est toutes des possibilités. Alors, n'hésitez pas à partager. Donc là, on a sorti du four. C'est prêt. Ça ressemble à ça. Ça sent super bon. Oui. C'est ça. Ça sent très, très, très bon. Oui. Ah, et voilà. On peut le montrer comme ça. Oui. Et c'est très chaud. Oui. on va se servir une assiette. Oui, je vais amener. Vous avez vu, on va se remettre nos beaux visages. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est prêt à l'essayer? Moi, je suis certainement prête à l'essayer. C'est tellement coloré. Vu qu'on a pris les sacs de légumes, là, il y a tellement de couleurs juste dans ces sacs-là. Là, il y avait rouge, orange, vert, jaune. Puis n'hésitez pas à être créative. Ajoutez les légumes puis, que vous voulez. Même si c'est possible d'ajouter des fruits, comme on avait dit, les pommes. Les pommes sont vraiment ajoutent énormément de faveur. Attendez, je vais essayer. Ouais, c'est toi, on a une fourchette texteuse. C'est toi la texteuse. Okay. Attends, c'est vraiment bon. On le conseille pour de vrai. C'est très facile, c'est tellement versatile. Même quand il y a des légumes en fin de vie, c'est une bonne façon. T'enlèves la partie qui n'est pas belle, tu donnes un peu d'espace, puis là, bam, tu les mets dans le four, puis là, tu as un arc-en-ciel pour souper. C'est ça, puis pour de vrai, ça a pris moins de temps qu'on prévoyait. On prévoyait au moins 25 minutes. Ça n'a pas pris plus que 20 minutes dans le four. Donc, c'est vraiment facile, puis ça ne prend pas énormément de temps. Puis, si vous hésitez d'utiliser le four, vous pouvez toujours faire plusieurs repas. Comme ça, vous dépensez pas beaucoup d'énergie, puis on ne paye pas beaucoup Hydro-Québec. On en a pour la prochaine semaine en ce moment. Exactement. Ça, pour le temps de cuisson, c'est entre-temps, vous pensez que c'est prêt, mais juste comme de piquer sur les patates ou les carottes pour que ça soit comme mou. Fait que c'est là que vous savez que c'est prêt. Fait que ça dépend. Le temps va varier selon les fours aussi. Oui. Le plus que vous coupez plus... le plus que ça sera plus rapide à cuire. Ceci peut être même refroidi puis congelé. Puis on pouvait le sortir, sortir des portions pour chaque jour. Ah. Il y a deux personnes dans la salle d'attente. Ben, c'est moi, mais ouais. Maria.
Bonjour, Maria. Bonjour. Oh, c'est-tu le Maria? Ah, bonjour, bonjour, nouvelle personne. Donc, alors, et voilà. On me montre notre... Ça. Notre recette, fait que pour Maria qui vient d'arriver, est-ce que vous avez des questions pour nous? Donc, je vais ouvrir votre micro. Oui? Non. OK, okay. Parfait. Alors, sinon, ça fait un peu le tour de ce dont vous voulez vous parler, fait que ça nous fait vraiment plaisir d'avoir été avec vous cet après-midi. N'oubliez pas qu'on a un autre atelier jeudi prochain avec Christina à 1h30, puis qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'ateliers sur l'anti-gaspillage au cours des prochaines semaines au relais. C'est vraiment toute une série d'ateliers. Alors, s'il vous plaît, venez nous joindre, puis partagez le mot, dites ça à tout le monde de venir se joindre à nous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous parler. Oui, puis nous, on termine notre stage cette semaine, fait que si vous avez des questions entre-temps, fait que c'est, on va se voir jeudi. Oui, ben, bonne fin de journée, bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye. Je prends note, mais merci, j'espère vous voir jeudi, bye bye. Bye, on vous attend.